Salut à tous, c'est Roxas. On se retrouve aujourd'hui pour une petite duplication du Marshall, le Monster Truck qui est arrivé avec la PS4. Donc, si vous ne l'avez pas, vous pouvez demander à un ami qui vous l'appelle chez Pegasus pour vous le mettre dans le garage. C'est la façon pour l'avoir qui sera pas mal. Donc, j'avais envie de faire cette vidéo non pas pour faire de l'argent, juste pour le petit fun de pouvoir mettre le Marshall dans son garage. Et je vous mettrai aussi le lien de celui qui a découvert ce petit glitch, donc Perry Troll. Et voilà, je mettrai le lien dans la description. Donc on se retrouve tout de suite d'abord par appeler Pegasus et je vais aller chercher le Marshall là où il spawn. Donc voilà, je viens de récupérer le Marshall. On va tout de suite se retrouver au petit spot pour le coincer, coincer les portes, hein, comme le glitch duplication qui est en ce moment. J'en profite pour remercier Vlam d'avoir trouvé ce petit spot qui est plutôt sympa, plutôt que les grilles qui s'enlèvent de temps en temps. Les grilles, c'est un peu chiant. Donc le spot est ici. Donc ce qu'il faut faire, c'est prendre une autre voiture pour pouvoir pousser les poubelles et avoir de la place pour mettre le Marshall. En même temps, il nous servira pour la duplication. Alors, c'est pas la meilleure voiture que j'ai pris, hein. On va péter la petite boîte à côté. Voilà, c'est fait. Je pose ma voiture ici. Je mets le Marshall entre les murs de façon à spawn directement à l'intérieur. Voilà, donc là, hop, vous voyez, direct, je sors, je rentre. Donc, je vais fermer la porte au cas où. On vérifie qu'on ait bien une mission, Martin, Lester, Lamar, directement dans le menu. Je vais faire rejoindre partie aléatoire en attente, vraiment oui. Je lance, je me mets ici, je fais triangle, je valide la mission. Et vite, je fonce dans mon garage. Pour avoir le menu des deux garages, donc bien sûr, il faudra avoir deux garages au même endroit pour que la duplication fonctionne. Donc là, je reste sur le numéro 31 puisque c'est celui-ci où j'ai une place de libre. Et je vais attendre que la mission se lance pour la quitter ensuite. Donc oui, il faudra deux garages, hein, au même endroit, comme je vous dis, avec une place de libre au minimum pour pouvoir effectuer cette petite duplication du Marshall. Donc j'ai envie de faire cette vidéo pour le Marshall. Donc une fois que vous êtes dans la mission, vous faites rond et là vous spammez le bouton X jusqu'à ce que vous voyez le menu des garages. Donc X, X, hop, voilà. Et dès que je suis devant le Marshall, j'appuie sur triangle et je rentre dedans et là j'attends qu'il rentre dans mon garage. Voilà, et là il a spawn à l'intérieur du garage, nickel. Il est dedans, c'est magnifique. Donc vous voyez, la duplication a bien fonctionné. Donc j'ai fait une petite coupure pour faire un test d'assurance. Donc on peut l'assurer et éviter de se le faire péter en session et pouvoir le récupérer tranquillement sans se prendre la tête. Donc tout de suite, je vous montre la manip à faire pour l'assurer. Donc là, il faudra le mettre en haut, hein, en haut pour que ça soit plus simple, en haut à gauche, pour que ça soit plus simple à faire la manip. Donc on va se mettre à l'extérieur. Donc je me mets devant le garage, donc forcément il faudra avoir deux garages pour que la manip fonctionne. Je me positionne sur internet, je vais accélérer et au niveau du rond bleu, je vais appuyer sur le X pour valider internet, la page internet. Donc ici j'appuie sur internet, voilà. À partir de là, vous allez choisir le garage sur lequel vous voulez, vous avez le Marshall à l'intérieur. Ici vous avez le temps, donc moi je vais aller sur Legendary Motorsport. Pour acheter la Trust, c'est celle qui coûte le moins cher et qui est le moins loin dans le menu. Mais vous pouvez le faire avec n'importe quel véhicule, que ce soit Legendary ou Southern Super Auto.
Donc là, je vais valider et à partir de ce moment-là, il faudra être rapide parce que vous n'aurez pas beaucoup de temps. Et il faudra cliquer une fois sur le garage sur lequel est votre Marshall, vous positionner sur la voiture et attendre que la porte du garage se ferme pour valider le choix de votre véhicule. Voilà. Donc on y va, c'est parti. Je descends sur la Trust, je mets une couleur, je la commande, je me mets hop, et là, dès que la porte, tac, je valide le choix. Donc là, il m'a fait descendre de la voiture, elle a disparu, c'est normal. Normalement, la main n'a pas fonctionné, on va le vérifier en allant sur le rond bleu. Donc, vous voyez bien que j'ai toujours le Marshall à la place de la Trust qui n'a pas encore été livrée. Donc là, on peut les changer de place, c'est pas un souci. Je la remets. On va attendre qu'elle soit livrée. Vous montrer qu'elle est bien assurée. Et je vais la faire exploser et appeler à la mutuelle pour vous montrer que ça a bien fonctionné. Voilà, vous voyez en bas qu'il me met Legendary Motorsport, nous confirmant la livraison de votre Trust. Et devant moi, ben, j'ai le Marshall. Donc de suite, on va aller dehors, ben, le faire exploser. Je vais vous montrer qu'il est bien assuré. On appelle de suite notre mutuelle. Ouais, il me le dit en haut, de toute façon, vos véhicules a été détruit, vous pouvez appeler la mutuelle Mars pour faire une déclaration. Le Marshall, 6250. Hop. Je le fais venir directement. Comme ça, je vous montre qu'il arrive. Livraison en cours. Appelle Lester pour la police. Hop, et il est ici. Voilà, mon Marshall a été livré là. Il est bien assuré, maintenant je suis tranquille. Je peux le laisser à l'extérieur sans problème. Personne, enfin, ils pourront me le détruire, mais je pourrai le récupérer très facilement. On arrive à la fin de cette vidéo et ce petit glitch. Voilà, bah, je vous dis bon glitch. À bientôt. Sur ce, bye bye.